Je vous retrouve pour une petite vidéo haul. Alors, j'ai deux, trois bricoles à vous montrer, mais ensuite ce sera un haul Temu. Voilà, alors les deux, trois bricoles, je suis passée chez Action et j'ai trouvé ceci. Je pense qu'il y avait une sorte en plus que je n'ai pas prise, mais je ne suis plus tout à fait sûre. Je n'ai plus non plus le ticket. Oui, je pense que c'était des genres de grosses baies qu'il y avait aussi. Oui, il y avait quatre sortes. J'ai plus le ticket, mais de tête, je pense que c'était 89 centimes. Et il y a 35 pièces. En tout cas, ici, il y en a 35. Est-ce que c'est la même chose partout? Oui. Il y a 35 pièces par boîte. Pour les filles qui sont sur le Junk Cotton, c'est au rayon saisonnier. C'est pas dans le rayon scrap, c'est rayon saisonnier. Moi, il est. Bah, c'est le rayon juste en face d'où il y a les fleurs séchées, etc. Donc, voilà. Enfin, les fleurs séchées, les fausses fleurs. Enfin, vous avez compris. Désolée, je suis fatiguée. Ensuite, petit tour, pas du tout pour du scrap, chez Zeman. Ça, pour les Français, je ne sais pas si vous avez ces magasins chez vous. Je pense que, à certains endroits, oui. Je suis tombée sur ceci. Ce sont des fils à broder. J'ai payé 1,69 €. Il y a toujours des prix différents. Vous voyez, la Belgique, 1,69 €. Bah oui, vous l'avez en France, vu qu'il y a FR. Donc, bon, chez vous, ce sera 1,89 €. Mais ça reste hyper intéressant. Il y a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12... marqué là. Donc, en fait, vous avez 12 fois 8 mètres. Et ben, même chose, moi, je fais mes reliures de junk avec ceci. Voilà. Bon, bah, du coup, on passe à Temu. Ouais, j'ai déjà fait la curieuse. J'ai ouvert. J'avoue. Bon, là, du coup, je vais tout sortir du paquet parce que le bruit du plastoc, ce n'est pas très agréable. Tac, tac, tac. Et voilà, d'autant plus qu'il restera encore les petits plastiques. Alors, je vais craquer sur un washi. Bon, vous verrez, vous aurez encore un haul qui viendra, je ne sais pas, avant ou après celui-ci. C'est des soldes, n'est-ce pas? Donc là, c'était les promos d'été sur Temu. Mais bon, j'ai pas fait que les soldes sur Temu. Je suis une vilaine fille. Voilà, il faut bien se faire plaisir de temps en temps, n'est-ce pas? Bon, je vous l'ouvre parce que là, c'est pas du tout représentatif du pourquoi, du comment j'ai acheté ce truc-là. Voilà, ça, c'est poubelle. Et le requin du bout, il est là pour vous montrer. En fait, ça, voilà, c'est un washi, mais à effet brûlé. Oui, je sais, j'ai des partitions, j'ai du double face, je pourrais le faire moi-même, mais je vous avoue que pour quelques centimes, c'était tout fait. Donc, je sais même pas s'ils disent il y a combien de mètres. Mais non. Voilà, on ne sait point. J'ai racheté des petits trucs de cire. Voilà. J'ai pris chez deux vendeurs différents. C'est toutes les deux des fleurs, mais c'est pas le même vendeur. Là, ce ne sont que des jaunes. Et ici, j'ai beaucoup aimé ce mélange de couleurs. Qui, bien entendu, je vais vous pomper, à mon avis, je vous envoie. L'année passée, je vous ai pompé avec Noël. Cette année, je vais vous pomper avec l'automne. Voilà, c'est des couleurs automnales pour moi. Voilà. Bon, le jaune peut servir pour autre chose, hein, bien sûr. Alors, allez-vous le voir à travers le sachet? Bon, de toute façon, je vais l'ouvrir. Comme ça, je serai obligée de le ranger. J'ai repris un seau. Alors, est-ce que le focus, focus, focus? Oui, voilà. C'est du feuillage et des petites baies. Je le trouvais trop joli et je n'en avais point. Alors, basique, basique. J'ai acheté ceci et je n'ai même pas encore pris la peine
de vérifier si c'était bien la bonne taille pour mon rangement d'ice. Parce que je ne sais point si vous êtes au courant, mais nos amis de chez Action, oui, ça rentrera, ne font plus ces petites choses que nous utilisons pour nos échanges et que moi j'utilise pour mes rangements d'ice. En fait, je prends, comme vous avez vu là, des papiers que j'aime pas trop, je les coupe. Et dessus, je vais bien mettre un morceau de papier aimanté. Je mets tout. Et du coup, je range tout dans des petites panières. Et c'est bien pratique parce qu'il faut en lire beaucoup, les guys. Et ça prend moins de place. Là, même chose. Il y a 100 pièces et c'est du 13-18 que j'ai pris. Voilà, voilà. Alors, ici, qu'est-ce donc que j'ai racheté? Là, par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Mais bon, pas perdu. J'ai racheté des mousses, mais moi j'aime bien quand ils sont comme ça, voilà, en bandes. Donc c'est toutes des bandes de cette taille-là, il y avait différentes tailles, mais moi j'aime beaucoup utiliser ça, que ce soit pour faire des shakers, pour plein de choses, et quand c'est fin comme ça, et que c'est en... Vous pouvez les tourner, vous pouvez... Enfin bref, moi j'aime beaucoup et c'était pas très très cher. Il y a 12 pièces, enfin il y a 12 trucs et je sais pas combien vous avez de... Mais il y en a beaucoup. Voilà. Ensuite, je ne ferai probablement pas l'unanimité, mais j'ai acheté ceci. Oui, je sais, c'est en anglais. Oui, je sais, vous êtes nombreux à ne pas aimer. Mais moi, l'anglais ne me pose pas de problème, surtout que, soyons honnêtes... c'est vraiment la majorité, c'est l'anglais basique. Voilà, il y a 8 feuilles, c'est chaque fois du noir et blanc. Bon, je ne sais pas, vous ouvrir les 8 feuilles et vous montrer tous les mots, ça n'aurait pas de... Mais bon, quand on voit le prix de ça, alors je vais montrer parce que je sais que je vais encore avoir des critiques sur cette vidéo me disant que je vais faire mourir les commerces européens. Certes. Alors oui, j'ai le vrai anti-moles. Hein, on est d'accord. Voilà, je l'adore. Et j'en achète. Mais il y a aussi ça. Parce que, il faut être honnête, quand on fait des échanges, voilà. On va dire que mes trucs T-Moles, etc. Oui, oui, d'accord. Mais dans mes albums, dans... Mais... Quand on fait pas mal d'échanges, ça c'est vachement intéressant. Et du coup, un stickers reste un stickers. Voilà, voilà. Alors, seule vraie déception de cette commande, c'est ceci. Est-ce que vous le voyez? Si je le mets, non, vous le voyez pas, c'est blanc. Évidemment, la fille, elle ne faut pas penser à prendre un truc de couleur. Attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver vite fait autour de moi? Rien du tout. Bon, j'ai reçu ça dans un échange. Ça devrait faire, ça fait l'affaire ou pas? Non, il y a des dessins. Non, mais dis donc, Sylvie. T'es pas nette. Bon, vous me croyez ou pas, je n'ai de nouveau pas de papier de couleur. Alors, je vais chercher ça. J'arrive parce que j'ai des dies aussi à vous montrer. Voilà. Je vous disais... Seule réelle déception, c'est ce pochoir. Soyons honnêtes, ceux d'Action sont fins. Là, comment vous dire que je pense qu'un papier vellum est plus épais. Donc, j'ai rouspété, et je ne veux pas m'en cacher, Temu me l'a remboursé. J'ai déjà acheté plusieurs trucs comme j'étais. Mais là, ouais, non, c'est de l'abus. Voilà, passons. Ensuite, j'ai acheté des tampons. Ceci, pour tout simplement faire les dos d'ATC. Parce que oui, j'ai pris l'habitude de les imprimer, mais voilà. Je me dis, un petit tampon, c'est pas mal non plus. Quand on n'a pas eu le temps d'imprimer les trucs et de les découper, ça fera l'affaire. Et... Ah bah ouais, j'ai encore acheté des trucs qui... Oui, des champignons, quoi. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Ça brille. J'ai pas enlevé le papier. Il faut les trouver vraiment sympatoches. Là, je sais pas si vous voyez. Mon tampon, il est pas droit.
Là non plus. Là non plus. J'aime beaucoup. Ensuite, je pense qu'il ne reste que quelques dice. Alors, je vais commencer par un pur basique. Mais on a beau parfois scraper depuis longtemps, il y a parfois des basiques qu'on n'a pas. Et entre autres, ceci. Alors, c'est pas que j'ai pas de carré. Si, si, j'ai des carrés. Mais je n'avais pas de carré qui faisait 15 sur 15 avec très peu d'écart. Donc, voilà. C'est chose faite. Il en plus, bon, c'est pas négligeable non plus. Il a une espèce d'effet fausse couture en plus dessus. Voilà, voilà. Toujours dans du simplissime. J'ai acheté ceci. Voilà. Alors, je vous avoue que le minuscule Rikiki, je ne sais pas trop pourquoi m'en servir. Mais le but était d'avoir un comme celui-ci pour en faire des petites choses comme ça. C'est toujours plus sympathique, je trouve, quand dans un échange, on veut mettre un morceau de dentelle ou un morceau de ruban. Voilà. C'était dans ce but-là. Ceci. Parce que ça aussi, je me suis rendu compte que je n'en avais point de ceux comme ça que j'aimais vraiment bien. Donc je les ai pris. Ensuite, ma sœur de cœur a commandé déjà un petit temps celui-ci. Voilà, pour faire l'effet diapo. Et je me suis amusée, j'ai plus qu'un bout. Mais regardez, je mettais, elle n'a pas encore le même que moi, c'est pas le même. Mais en tout cas, voilà, c'est le même genre, voilà. Je me suis amusée, je n'ai plus que l'avant. Je l'ai embossé, je l'ai martyrisé, je l'ai embossé à froid. Je l'ai martyrisé dans des encres. Et voilà. Et donc, ça m'intéressait d'avoir le dice pour pouvoir faire un complet fermé pour faire des embellissements. Voilà, voilà. Et bah, il en reste deux. Alors, j'ai pris. Ah, je viens de voir qu'il me l'avait mis en double. Je pense que même lui, ils s'en sont pas rendus compte parce qu'ils m'ont facturé qu'une fois. Oh, trop bien. Bon, bah, j'en connais une, c'est le vœu à qui je ferai plaisir. Donc, bah, à la base, j'en avais pris qu'un seul, bien sûr. Voilà, c'est des effets chaîne. Zoup. Et le dernier, c'est un long feuillage, comme ceci. Voilà, que je trouvais très sympathique et que je devrais tester dans pas trop 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 longtemps. Donc, bah écoutez, voilà, hein, le petit haul Temu est terminé. C'était rien de folichon, rien de je vais pas vous cacher que j'ai profité en même temps des remises d'été pour m'acheter une petite blouse qui me faisait également de l'œil, mais bon, ça je l'ai pas là et puis ben oui je l'ai pas là, c'était pas du scrap donc je l'ai pas monté. Les promos sont évidemment toujours en cours. Puis bon, même quand c'est pas promo d'été, il y a tout le temps des promos chez sur Temu. Voilà, c'est pour ça que je ne vous mets pas les prix, parce que ça bouge tout le temps, que ça change d'un vendeur à l'autre. Et je blablate beaucoup, alors qu'en fait, il me reste à vous dire que vous aurez mes coordonnées à gauche, à droite, comme d'habitude. Qu'un petit like, ça fait toujours plaisir. Que si vous avez des questions, ou si vous voulez me mettre un petit message, j'aime vous lire. Activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Puis ben voilà, hein, c'est à peu près tout. Je vais donc vous laisser là pour faire des scrap bisous et vous dire à très vite. Bisous bisous.